Donc, suite aux coïncidences qui s'est passé dans les derniers jours entre moi et Scarrows avec nos vidéos, qu'on sortait quasiment la même chose en même temps, c'était vraiment drôle. Mais je me suis dit, quoi de mieux qu'aujourd'hui vous faire mon Scarrows Challenge. Donc, je vais le tenter. J'ai jamais vraiment essayé ce challenge-là avant, de voir c'était quoi mon meilleur temps, etc. Donc, c'est le fun pour moi aussi, je vais l'essayer. Et il y a du monde qui me l'a demandé aussi. Je me suis dit, pourquoi pas, ce serait beau aujourd'hui de faire ça comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Et je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Qui sait? Qui sait, fait que restez alerte pour ça. Sinon, il y a aussi beaucoup de monde qui m'ont demandé si j'allais refaire une vidéo avec Scarrows dans les prochains temps, parce que vous avez l'air d'apprécier ça. Donc, dites-le moi si ça vous tente, puis je contacterai Scarrows dans les prochains jours pour voir si ça lui tenterait. Sinon, on rentre dans le Scarrows Challenge. Fait que je pense que le record de Scarrows, la première fois qu'il avait fait, je pense que c'était 22, après ça, il a fait 18 quelque chose pour son deuxième essai, disons, pour battre les personnes qu'il avait fait entre les deux, donc... 18 qui est supposément son temps qu'il aurait mis à battre, qui je sais n'est probablement pas son meilleur temps non plus, j'en suis conscient, mais je me suis dit, on va essayer ça, voir si je peux pas battre plus que 18, je pense qu'on est capable de faire pas pire, donc on est parti. Alright, donc la classe que j'ai faite, c'est pas trop compliqué, c'est une classe normale comme ça, rien spécial, j'ai juste pris le M40 avec un tour de passe-passe qui est, je pense, tout ce qui est vraiment nécessaire pour ce challenge, donc on va essayer ça, puis je vais voir combien de temps je vais faire. Oh! Je pensais qu'elle avait fait, puis j'ai raté un cancel en plus de ça. Alright, bon, égalité a été faite. Allez, let's go, on va recommencer ça. Oh! J'ai raté un shot encore. Ah, 17-16, let's go! Wouh! 17-6, on l'a vu à l'écran. Wouh, ça fait du bien. Pas pire. Pas pire pantoute, je suis quand même très satisfait. M'a pas réessayé plus que ça, parce que je veux pas non plus faire un temps imbattable. Pour vous amuser, si ça vous tente de le battre, si vous avez fait entre 17.6 et 18.6, ça vous tente de faire plus bas que moi, vous le pouvez. Donc, c'était ça, disons, c'était ça mon essai. Je voulais pas essayer trop longtemps non plus. Donc, je pense que je suis quand même satisfait avec 17.6. J'ai égalisé une fois, j'ai fait 17.6 après, une seconde de différence. Je suis satisfait. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas vous sortir mon propre challenge parce que je n'ai jamais fait avant, puis je me suis dit ça pourrait être cool. On a vu quelques youtubeurs, on en a eu certains, on a eu Super Connor, on a eu Scarrow. Je me suis dit pourquoi est-ce que j'en ferais pas un pour plaisir, donc c'est ce que je vais en vous montrer. On est parti. Donc pour ce qui est de mon défi, ça va pas être très très compliqué, ça va être assez simple. On va se lancer en partie privée sur Shipment en mêlée générale, ce qui est assez important, ce qui est un peu différent aussi de ce qu'il avait déjà vu auparavant. En mêlée générale, les options, on va avoir une limite de temps de 2 minutes et demie. Score illimité, paramètres généraux, j'ai mis radar de la mini-carte toujours actif, sinon sérénation on s'en fout, ça c'est pas important. Santé 50% et j'ai enlevé une chose dans les classes, c'est mastodonte, juste comme ça au coup parce que j'ai quand même mis 50% puis je me suis dit, tu sais, mastodonte, etc. Vous comprenez, 8 bots recrues. Et notre classe qu'on va utiliser, ça va être celle-ci, avec tour de passe-passe, cartouchière et impact lourd. Donc c'est pas très compliqué, mais vous comprenez que le principe de ce défi, ce n'est pas nécessairement le temps, mais c'est la rapidité d'action, le plus de kills qu'on peut faire en 2 minutes et demie, mêlée générale. Donc voilà mon défi, le hashtag Pros Challenge. Je m'en vais essayer ça pour au moins vous mettre un petit défi à battre, tu sais, pas très très difficile. On s'en va faire ça, let's go. Donc, nous voici pour mon essai. J'ai hâte de voir comment je vais vous faire. Je vais essayer de vous faire un score quand même pas si pire, un peu
respectable, disons. Pour au moins vous mettre un petit challenge, c'est quand même mon propre challenge, vous savez, j'aime ça. Tu sais, vous mettre un certain challenge après tout. On est prêt. Ok, moi j'ai rien fait, mettons qu'il s'est pas passé. Bien joué. Ok, 65, quand même, je pense que c'était pas un score si mauvais, je crois que c'est battable aussi. Ouh, quand même, voici mon essai, 65, quand même pas pire, je crois que c'est pas pire, c'est battable, donc le voici, le score à battre pour le hashtag Pros Challenge. Pour vos essais, envoyez-les moi sur Twitter, mon Twitter est écrit à l'écran en ce moment, si vous voulez me partager, etc., sinon, répondez en commentaire, etc., donc... C'est ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui tout le monde, n'hésitez pas à laisser un maximum de retours. Allez voir ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue, qui se trouve dans le coin de l'écran là. Sinon, ben, j'ai eu ça de passer une très belle journée tout le monde, une très belle soirée. C'était Pros, je vous dis à la prochaine. Ciao!